m'appelle Vi, je suis d'origine vietnamienne, mais je suis aussi française maintenant. J'habite à Pénétin et j'ai 27 ans. J'ai quitté le Vietnam à 18 ans dans le cadre du regroupement familial. Et en plus, je parlais pas très bien le français encore. J'ai eu mon BTS assistant de gestion PMI-PME. J'ai tout de suite été dans la vie active. J'ai toujours travaillé pendant mes études. Et maintenant, je travaille pour la mairie de Pénétin. Et je suis à l'accueil de la mairie. Je m'occupe aussi de l'état civil, les élections et le marché, les affaires sociales, tout ça. La France est un pays d'accueil. Moi, j'en suis fier. C'est la force de la pluralité qui fait qu'on est un beau pays. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est plutôt une certaine fierté que de travailler avec Vi ou travailler avec d'autres personnes. Je lui tire mon chapeau parce que faire tout ce qu'elle a fait à son âge, il faut en être capable, quoi. Donc je suis très contente pour elle. D'ailleurs, c'était un choix personnel. C'est pas un choix par mariage. Et d'arriver à travailler au sein d'une mairie, devant des administrés, devant, c'est quand même merveilleux, quoi. Il y a tout un symbole derrière. La République française, voilà. C'est pour ça que je dis, c'est un parcours quand même exemplaire, quoi. Quand elle a un but à atteindre, elle y va et elle se donne tous les moyens pour y parvenir. Ça, c'est vrai. Ouais. Très déterminée. C'est peut-être inconscient le fait que je me suis retournée vers les abeilles. Les abeilles sont démocratiques, c'est vrai. Les abeilles votent en fait leur habitat. Vous avez des chercheuses qui vont à gauche, à droite pour trouver un endroit et puis elles votent. Elles votent pour décider ensemble où elles vont habiter. Donc c'est vrai, la démocratie, c'est une valeur républicaine et que j'apprécie beaucoup, et c'est vrai que je la retrouve dans mes abeilles.